Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tino, Passion Maquette. Bon bah écoutez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, bah écoutez, bon, on est reparti, hein. Le temps est propice pour faire de la maquette. Il fait un temps, comme on dit, pourri. Donc voilà, enfin bref. Donc bah du coup, j'ai fait une petite maquette en attendant. Donc j'ai fait la fameuse Mercedes AMG, tout le monde connaît. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu la faire en vidéo, mais je vais juste vous la présenter parce qu'en finale, quoi, on va dire que ça sera le final. Alors j'ai quelques défauts quand même. J'ai quelques défauts, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit. Ici, il y a un peu de peinture qui s'est écaillée de ce côté-là. Hop. Ensuite ici, là, sur ce décal là. J'ai un tout petit bout là qui est parti. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. À l'intérieur aussi, là, la colle qui est un petit peu bavée là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme boulette? Ah oui, j'ai les décalques des anti-brouillards. Hop. Et ben, je les ai chiés, tout simplement. Malgré que c'est une maquette apparemment facile, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pas facile, mais facile aussi. Enfin, c'était enfin en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment sympa à monter, c'est vraiment super agréable, vraiment super agréable à monter. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite donc ça va être une vidéo courte, hein. Ça va être une petite vidéo courte, donc c'était juste pour vous présenter cette petite AMG. De toute façon je vais faire des photos à la fin. Et aussi, ah si, alors attendez, je ne suis pas prêt du tout. Aussi, si je vais vous montrer les deux kits qui vont venir ensuite là. Hop là. Alors attendez, bougez pas. Alors je sais pas encore, j'ai le choix entre ces deux-là, j'ai envie d'attaquer ces deux-là. Donc voilà, il y aura la Lancia. Alors attendez, je vais pousser ça. Je vais mettre ça au fond. Hop. Donc la Lancia. Alors je sais pas si je commence par celle-ci ou si je commence par celle-ci. Voilà, ces deux kits de chez Italerie. On verra bien ce que ça donne au niveau qualité. On va regarder un petit peu ensemble dedans. Bon, on avait ouvert, je crois, ou je sais même plus, quoi. Non, mais je pense que c'est pas dégueu quand même, hein. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai même envie de commencer par celle-ci même. La petite Mercedes, la 300 SL. Par contre, la couleur, je ne sais pas trop encore ce que je pourrais faire comme couleur. Je ne sais pas trop encore. Enfin, dites-moi dans les commentaires quelle couleur je pourrais faire pour cette petite Mercedes 300 SL. Et puis après, il y a la Lancia. Donc c'était juste. Alors attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Hop là. Et après, il y a la Delta Lancia. Donc pareil, là, Italerie. Hein. Elle est sympa, une petite voiture de course, de rallye. Voilà. Je pense qu'on va rester fidèle à la notice, à la boîte. Au niveau couleur, de toute façon, il n'y a pas trop de mystère vu les décals qu'il y a. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça un petit peu. Bon, c'est une petite vidéo courte. C'est histoire de dire les éléments qu'on va attaquer après ça, quoi. Et puis pour vous présenter aussi la MG que j'ai fait. Franchement, j'ai vraiment apprécié à faire. Hein. C'est vraiment un kit à. C'est vraiment la voiture à avoir chez soi quand même. Hein. C'est vraiment la voiture à avoir chez soi dans sa petite vitrine. Il me la fallait aussi. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont, je sais. Il y en a beaucoup qui l'ont. Mais il me la fallait aussi, les amis. Voilà. Et je vais pouvoir la mettre comme il se doit dans la petite vitrine. Ok, les amis? Bon voilà, donc je vous dis, je sais pas trop sur laquelle commencer. Si je commence sur la Lancia ou la Mercedes 300 SL, donc ça sera la surprise. D'ailleurs, je vais y attaquer tout de suite après la vidéo. Cette vidéo, je vais l'uploader. Avant, je vais la monter, je vais l'uploader. Et puis voilà, les amis. Allez, je vous dis à bientôt, à très vite, et portez-vous bien. Allez, à plus, salut, ciao, bye, bye.